Tout a beau être planifié au millimètre, les impondérables sont la partie non négociable d'un événement d'une telle ampleur. Le couronnement du roi Charles III associé à celui de la reine Camilla, le 6 mai prochain, doit consister en une démonstration de pouvoir au monde entier autant qu'à une fête nationale et familiale. Depuis 1000 ans que cette cérémonie existe au Royaume-Uni, aucune ne cesse de passer dans couac, ces petits imprévus qui font la joie des observateurs et qui rendent humains les plus divins d'entre nous. Outre les traditionnels évanouissements de hors-garde, les imprévus dus aux intempéries ou même les fantaisies du public, il se pourrait que le roi et la reine subissent des désagréments liés à la cérémonie elle-même. Comment anticiper les petits soucis d'une journée si grandiose? Voici une liste des catastrophes les plus prévisibles, selon Gala. FR. Le roi Charles III, qui sont les femmes de sa vie? Charles III et Camilla devant les caméras du monde entier si est-il un événement mondial de par son caractère unique et rare, s'il n'y aura que 2000 invités à Westminster Abbey, tous les yeux des téléspectateurs du monde entier seront braqués sur Londres. En présence de monarques étrangers, de chefs d'État, d'une foule imprévisible à l'extérieur, la célébration du couple royal est déjà l'événement de l'année. Depuis 1953, aucune cérémonie de couronnement n'a eu lieu en territoire britannique, et le mode d'emploi date un peu. Les organisateurs de l'opération Golden Orb ont tout prévu mais Charles III et Camilla doivent s'attendre à tout. Le roi a empêché de marcher monarque le plus âgé à monter sur le trône britannique, Charles III, 74 ans, ne souffre d'aucune maladie handicapante, mais connaît quand même quelques problèmes de santé comme un mal de dos persistant. Ce 6 mai 2023, il pourrait donc se retrouver tout simplement bloqué du dos ou de la jambe, et ne pas arriver à marcher jusqu'à la chaise du couronnement. En 1702, la reine Anne avait dû être portée jusqu'à la chaise, souffrant de la goutte. Après une première procession dans une calèche inconfortable, dans une tenue très lourde, le roi Charles III pourrait voir son dos lui jouer des tours. La couronne vacille pesant plus de 3 kg. La couronne de Saint-Édouard est réputée pour être très lourde et difficile à supporter pendant la cérémonie. Comme sa mère, Charles III tient pourtant à ce joyau de la couronne. Il ne faudrait pas qu'elle tombe, glisse ou soit mise de travers comme cela est arrivé par le passé. En 1761, George III a eu le malheur de voir un diamant s'échapper de la précieuse coiffe, tandis qu'en 1902, Édouard VII a dû faire appel à ses réflexes pour la saisir des mains de l'archevêque Temple, avant qu'elle ne tombe, lâchée par celui-ci. Normalement la couronne de Saint-Édouard devrait aller comme un gant au nouveau roi, ayant été ajustée pour lui. Sauf si celui-ci a pris la grosse tête. La coiffure de Camilla part en vrille et le chignon très épais et solide d'Élisabeth II avait permis à l'illustre reine de paraître en toute majesté lorsque la couronne fut posée sur sa tête. La reine Camilla a de quoi s'inquiéter de son côté, plus âgée, ses cheveux très fins, toujours lâchés et arrangés par un brushing, pourrait plier sous le poids de la couronne de la reine Marie, et lui donner un air peu royal sur les photos et à la télévision. Sa coloriste, Jo Hansford s'exprimait à ce sujet dans le Daily Mail du 27 avril 2023, la difficulté va être de poser la couronne sur ses cheveux sans altérer sa coiffure et son style. Comment ils vont réussir à faire ça, je ne sais pas. Je n'y serai pas pour ma part. Je serai devant la télé a-t-elle dit. Camilla Parker Bowles porte la tiare ou la couronne. La bague du couronnement se coince durant la cérémonie, l'archevêque de Canterbury glissera au quatrième doigt de la main droite du roi Charles III, la bague du souverain, autrement appelée bague du couronnement.
En saphir et rubis, elle représente le drapeau du Royaume-Uni, et symbolise l'engagement du roi vis-à-vis de l'Église et de son pays. Or, le roi Charles III souffre depuis toujours de ce que l'on appelle les doigts saucisses, ses mains sont souvent rouges et gonflées, ses doigts très boudinés. Œdème, arthrite, rétention d'eau? Personne ne sait ce dont souffre le roi, mais le passage de la bague va sûrement représenter une épreuve, avec le stress, ses doigts pourraient enfler le matin même de la cérémonie, et ne pas pouvoir accueillir le précieux anneau. Une scène embarrassante dont se passerait bien Charles III. Charles s'ennuie ou s'agace. Le roi Charles III n'est pas très patient quand il est stressé. Même s'il était sous le coup de la perte soudaine de sa darling mama en septembre dernier, le monde entier a été témoin de son impatience et de sa frustration lorsqu'il s'est agacé de la présence d'un encrier embarrassant sur son bureau, ou d'un stylo qui fuyait. La cérémonie, déjà raccourcie sur demande du roi, pourrait bien vite agacer Sa Majesté qui ne sait pas très bien dissimuler son ennui. Il ne manquerait plus qu'une caméra ou un appareil photo le saisisse en train de bâiller, de s'énerver ou jetant un regard noir à l'assemblée. Un moment qui ne ferait pas honneur au roi d'Angleterre. Camilla s'évanouit en pleine cérémonie. La reine Camilla d'Angleterre n'aurait jamais dû se trouver là, son prince charmant ayant épousé en première noce la charmante Diana. Elle n'aurait jamais pu imaginer se retrouver avec la couronne sur la tête, un beau jour de mai. Et pourtant, voici l'ex-Camilla Parker Bowles en tenue d'apparat au milieu de l'abbaye de Westminster. La femme du roi Charles III n'est pas fan des cérémonies officielles, de nature timide et introvertie, le couronnement la rend très nerveuse. Elle en serait même terrifiée selon les confidences d'un ancien majordome de Clarence House. La chaleur de l'apparat, le stress, le poids de la couronne pourraient faire tourner de l'œil la future reine. Si est-ce ce qui est arrivé à George IV en 1821, transpirant à grosses gouttes, il a passé la cérémonie à s'essuyer le visage avec des mouchoirs. Avant de demander à respirer des sels pour ne pas tomber dans les pommes. Le prince Louis fait des siennes, ce serait la catastrophe la plus mignonne du couronnement, mais il y a peu de chances que cela ne survienne, et si le prince Louis, a considéré qu'il assiste à la cérémonie, décidait d'être dans un mauvais jour et de faire des siennes, ayant déjà prouvé sa malice lors du jubilé l'année dernière, il a toutefois agrandi depuis. Il s'est montré impeccablement sage à la messe de Noël ainsi qu'à celle de Pâques, et ses parents ont dû lui expliquer de long en large à quel point il devait se tenir. Mais les enfants sont imprévisibles, et Louis, qui vénère son grand-père, pourrait être pris d'une envie soudaine de grimper sur les genoux du roi. George et sa sœur Charlotte veilleront sûrement attentivement sur le petit dernier. Crédit photo. Direction artistique Gala.